une droite à gagner qui doit poursuivre son projet, qui est le projet qui fait partie d'une contre-révolution globale aujourd'hui, qui prend ou des aspects nationalistes xénophobes ou des aspects libéraux comme celui qu'on va connaître. Il y a une renationalisation du politique, c'est-à-dire que le politique doit être la nation. Donc la nation, évidemment, elle est de tout temps en Europe et surtout en France raciale. Elle est racialisée, elle n'a jamais été déracialisée. Si on veut penser à une politique décoloniale en France, il faudra penser à une politique décoloniale qui concerne à la fois ce qu'on appelle les Outre-mer, entre 25 000 guillemets, et ici, les classes, effectivement, populaires et racisées. Si on ne replace pas tous ces territoires, tout ça, et on n'arrive pas à construire, justement, des alliances et des solidarités, ils continueront à gagner.